Je les ai pas remontés, ils sont en bas, j'allais les chercher. Plastic sheet et... Bah non, j'ai pas les chercher, je peux les faire là. On va... Bah voilà. Simplement. J'ai de quoi les faire. Là. Et j'ai dit le dernier composant. Harvester, ce sont des shears. Les shears, ça se fait en vanilla, pas bien compliqué. Il nous en faut que deux. Ok, et donc si on fait ça et qu'est-ce qui nous manque? Axe, axe. Le shears, le machine frame, reception coil. Pourquoi tu veux pas nous la faire? Les deux plastiques sheet là-haut. Frame. La ligne var axe. Ben voilà. Pourquoi t'as pas voulu me la faire? Bon, pas grave. Donc ça, 1, 2, 3, ici. Non, c'est pas ça que je voulais. Je l'ai rangé là-dedans, elle est là. Ok, donc... pas de bol, elle est pas dans le bon sens. Maintenant, elle l'est. Est-ce que si je mets un coffre juste derrière comme ça à l'arrache, ça marche ou pas? On va essayer. Ok. Et il nous manque plus qu'une chose. Alors, est-ce qu'on a du lead? On va quand même extraire tout le truc parce que j'ai peur que ça fasse des conneries. Parce que si ça se mélange, ça va nous bousiller des ressources pour pas grand-chose. On va extraire tout l'iron, tout l'invar, tout le bataquès là. Hop. Ah sinon il y a autre chose qu'on peut faire aussi. Je dois avoir assez de shred pour le faire. Bah non, j'en ai plus assez résultat. Dommage. Sinon je pensais à carrément faire des blocs, mais non en fait. Non, c'est pas ça que je voulais. Remets-le en place. C'est ça que je voulais. Hop. Ok, donc ça c'est le... Hop, c'est l'aluminium brassing got. Ça on doit en avoir deux ou trois, je sais plus. On remettra dans la smelterie au cas où, tant pis, ça nous consommera un peu de lave, mais c'est trois fois rien. Ouais, plus que 6 apparemment. Bon, ok, donc on en avait 7. Et là, on va commencer avec l'or, l'iron. Donc c'est parti pour 30... pour une trentaine. Bon, voilà, bon, pas grand-chose d'intéressant, mais voilà, hein. On fait ça comme ça. Combien là-dedans? 22 lingots. Oui, ok, hop.
Bon voilà, que vous dire de plus? Pas grand chose, hein. Ça avance, c'est tout. Ce qui va faire qu'on va quand même pas avoir pas mal d'iron, hein. En fait, je casserais bien le haut et je me referais une smelterie à côté. Pour faire couler d'autres liquides où je suis sûr que ça se mélange pas. Faudrait que je regarde la liste. Mais bah il me semble en plus que le fer et l'or ça se mélange pas, mais j'ai un doute si l'or peut se mélanger avec l'invers, c'est ça le problème. Gold. En fait, pourquoi j'ai besoin de la smelterie, moi? J'ai du ferrous, j'avais quoi faire cuir? Ouais c'est ça, c'est le. C'était du lead. Mais je l'ai pas pris le lead? Ah moi j'ai pas pris le lead en plus. Je vais rapidement y aller le rechercher. Là-bas. Et puis ben c'est bon quoi. Donc le lead. Je suis pas fou, j'avais du lead. Silver. Ben non, j'étais sûr d'avoir du lead. Oh, il refait déjà nuit, j'y crois pas. Voyons, voyons. On a encore de l'iron ici. Non. Bah en fait non, j'avais pas de lead. Donc j'allais chercher du lead en bas. Lingot. Ben le. Hop. Ça tu peux aller faire fondre résultat. Ah. Petit bug mais ça me l'a pas consommé. Je vais aller en bas de tout. Ben j'en profitais de toute façon pour aller rechercher également de la lave. Voilà, il reste 5 lingots, plus les 4 qui arrivent. Donc pourquoi il me faut du lead? Simplement, je vous explique. C'est pour... C'est pour ça, les leadstone énergie. Les leadstone énergie... Voilà, qui transmettent un peu d'énergie. Pas énorme. Mais suffisant. Sinon, attendez, je regarde pour les autres conduites. Celui-là, c'est 400 RF, le Hardened. De toute façon, il faut du lead, de la redstone, de l'invar. Bon, bah, c'est réalisable. Si on a envie d'upgrader après, on peut. Mais après... Voilà. Bon, écoutez, ça, c'est pas très très intéressant. Donc, je récupère juste les quelques-uns qu'il me reste. Ouais, t'es où? Je t'ai entendu, t'es où? Sors de ta cachette, créature démoniaque. Quoi, c'est tout? Ah ouais, c'est tout, on l'a vidé. Bon, ok, très bien. Ben, écoutez, qu'est-ce que j'avais d'autre à faire cuire? J'ai un peu de ferrousse, mais on s'en fout. Allez, c'est parti. On va... Je coupe, je vais juste aller me... ouais, mais j'ai pas mes seaux avec moi. Je vais juste voir si mes seaux sont de nouveau disponibles. Ils sont de nouveau disponibles. Donc, je vais aller juste me chercher un petit peu de lave.
dans les deux tanks qu'il reste. Et puis je reviens avec du lead. Je vais même essayer de remonter un petit peu à la surface les différentes choses. Ouais, et non mais de toute façon il va me falloir un élévateur. Il va falloir que je retourne à la chasse aux Endermen pour me choper une deuxième un deuxième œil d'Enderman. Donc l'univers, non c'est pas l'univers, c'est du lead qu'il me faut. Je commence à me faire peur là. Ok, je n'ai plus de lead. Ok, je suis emmerdé là. Si j'ai plus de lead, je peux plus avancer. Il va me refaloir du lead. Bon, quoi qu'il en soit, je coupe pour aller chercher de la lave. Où sont mes seaux? Oh, c'est pas vrai, j'ai tout qui disparaît dans mon inventaire. C'est quoi ce délire? C'est quoi, c'est inventory de trucs qui merde ou... Attendez, déjà je vais changer la touche Skype parce que c'était R à l'origine. Voilà, hein, comme ça. Encore ça marche même pas. Bon. Il reste sur échappe. On va laisser comme ça. Et je peux savoir pourquoi il a viré le... Ah oui, ok. J'avais plus mon stuff également. J'ai plus de casque. Bon, et ben... Tant pis. Puisque c'est comme ça. Je vais aller chercher comme ça, mais... Ma lave. Allez, à tout de suite. Ok, donc je viens aux nouvelles. Ok, d'accord, ils étaient là, mes buguettes. Comment? Donc le... La query est terminée. Ce que je propose, c'est qu'on en fasse une beaucoup plus grande. Pour en faire une plus grande, on va prendre simplement... Alors il me semble que justement... attendez, parce que par contre, moi j'ai remonté pas mal de choses. Des profondeurs de notre ancienne cabane, donc hop, voilà, on va juste réorganiser un petit peu ce qui nous permet d'enfourrer un peu plus. Ok, bon, donc ça, ok, on va faire c'est on va prendre quelques stacks de cobble. Et on va faire une zone de 64 sur 64 de cobble. Donc on va faire déjà notre première zone. On va commencer d'ici. Ok, tu ne veux pas sauter dessus. Voilà. Ok. Donc on va faire. Donc il me semble hein, que c'est 64 sur 64 le plus gros qu'on puisse faire. Donc c'est ce que l'on va faire. On va faire un. Je suis même sûr qu'on puisse. Ouais non, c'est pas plus économique. Bon, on va faire un petit peu moins que 64 sur 64. Bon, on va perdre quelques. C'est trop fort rien. Hop. Ou 32. Ouais, c'est bien. Ouais, ça me paraît bien quand même comme taille ça. J'en ai perdu combien? J'en ai perdu 5 au total, je crois. 32. Ouais, ça me paraît bien ça. On va voir. On va voir. Les landscapes, je les ai laissés là-bas.
là idiot et landscape. Je les ai pas laissés là, je les ai laissés carrément en bas, je vais les chercher, je reviens. Attendez, tant que j'y suis, je découvre dans le secteur là. Oh, j'ai l'underpearl, ça je la cherchais. Hop. La boule aussi, je la cherchais. Attendez, tant que j'y suis. Un élévateur, voilà, j'en aurai au moins un à positionner en bas. Dès que j'aurai une deuxième underpearl, je ferai l'autre élévateur parce que ça marche par deux ces choses-là et ça me permettra de remonter simplement à la surface beaucoup plus rapidement. Pour le moment je vais la poser là. Ouais, pour le moment ça marche pas évidemment. Bon. Les landmarks, elles sont ici. Ok, je remonte. Vivement la seconde underpearl. Sauf si je peux en obtenir autrement. Underpearl, comment on peut en obtenir? Avec des abeilles. Avec des pushing et le mettre dans le... Dans le quoi? Dans le carpenter? Ok. C'est quoi ça? C'est des Winsome Princess. Ça se trouve où ça? Winsome. On doit se trouver dans l'aine, bien sûr, ce genre de conneries. Je me nourris actuellement de viande de zombie, c'est volontaire. J'essaie d'économiser la bonne bouffe. Sans compter que la viande de zombie, vu les hordes que l'on se prend dans la tronche, c'est pas une nourriture à problème. Donc, elle nourrit mal, mais elle nourrit quand même. C'est le principal. Bon. Alors, première landmark, ici. Je clique dessus. Je vais tout là-bas. Ouais, je peux plus que ça. Hein. Sûr que je peux plus que ça. Allez, on va aller jusqu'au bout. Et là. Ok, donc là je peux. On va reprendre un stack de cobble. Bon, ça me consommait pas mal de lave, hein, cette histoire-là. Mais au moins... au moins ça marchera. Lui, il a gardé l'énergie, résultat. Il est en train de la perdre. Ok, d'accord. Hop, stack de cobble. Ouais. Enfin, un seul, ça m'aura suffi. Et vite avant que la nuit tombe. Alors je creuse dans l'océan, hein, pareil, c'est parce qu'au moins si on tombe de la lave, on a de l'obsidienne directement.
Et puis surtout ça dépaysage pas le ça dépaysage pas. Sans compter qu'en plus de la craie résultant, on en aura certainement en bonne quantité par ce procédé. Et je vais juste laisser une dizaine de ouais, genre 5, allez, 5. J'ai laissé juste 5. Voilà. Hop. Ici. Ici. Ok. Donc là, normalement, ça suffit. Est-ce que j'ai... Normalement, ça devrait aller. Non. J'ai peur de faire une connerie si je le casse à la main. Alors, ben voilà, simplement. C'est toi que je vais chercher, tant qu'on y est. On va poser ça. Je sais pas où est passé le deuxième. Eh, oh! Eh, hey, pas de blague, reviens là. Oh, j'y crois pas, il est pas tombé dans le fond. Ah, la honte. Ah, oh, c'est pas possible. Oh non, 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 eh oh. C'est quoi cette arnaque? En plus, je mets une plombe à remonter. Ouais, faut que je m'éloigne du mur, c'est vrai. C'est une astuce. Éloignez-vous des murs quand vous remontez. Sauf pour reprendre, bien évidemment, votre air. Il est là. Ouh! Ah, la trouille. Bon. Ok. Bon. Toi, tu vires. Toi aussi. Je veux plus de vous. Enfin, je vais vouloir de vous, mais plus tard. Hop. Hop. Toi, ce coffre-là, bah, on va te garder de côté de temps, pour le moment. Toi... ouais, on va te mettre comme ça, c'est très bien comme ça. Ouais, puis ça, simplement. On va le casser. Toi, je te récupère. Toi aussi. Et toi aussi. Ouais, pas très important. Ok, donc... Stone ici. Non, pas stone. Ok. Bon, pour le moment, on va gérer comme ça. En soi, on va pouvoir éventuellement compléter les deux. Comme ça, ce sera fait. On va équilibrer ça un petit peu. Oh, allez, c'est très bien comme ça. On va laisser ça comme ça.
Et puis on n'a plus qu'à raccorder un petit peu d'énergie. Ça c'est une frame. Non, ça. Bon, on va rapprocher ça un petit peu quand même. Viens pas m'emmerder, toi. Ok, donc ça c'est bon. Un petit peu plus de cobble. De la cobble. On va déplacer notre petite centrale ici, comme ça on sera tranquille. Ouais, allez, encore un dernier, histoire qu'on ait de la place pour bosser. Ok, les quatre engines comme ceci. Ouais, ça le fera. Allez, hop. On peut faire ça comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. On va juste faire des... On va juste se débrouiller un petit peu autrement et puis c'est tout. Stone. Stone. Et stone. Voilà. Et... Pour alimenter, ben, ça va être assez simple. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de stick sur moi. Ouais, j'ai pas grand-chose sur moi, en fait. Ouais, on pourrait faire ça pour le troll, mais on va éviter. Oh, c'est pas vrai, mais d'où vous sortez tous? Bon. Bah simplement des leviers, il n'y en a pas des préfets, non? Non? Bon, tant pis. Alors. Ça, puis des... comme ça, et cobble, ça me fait des leviers. Il va nous en falloir que deux. Nos seaux. 1, 2, 3, 4. Un levier là. Voilà, j'en ai qu'un qui marche pas. Voilà, bon, alors là, il y a de quoi bosser, hein. Ça c'est juste histoire que je puisse me déplacer un peu. Voilà, quand on aura fini ça, franchement, je pense que... Je pense qu'on aura le temps de voir venir. Oups. On va juste les déposer.
déposer là comme ça. Ils sont tous les deux à 4, c'est bizarre. Bon, ok, c'est parti. Ça, hop, c'est sympa, mais... Tu pollues pas ma plage. Ok, et maintenant qu'on a... oui, et puis on a toujours pas de lead. C'est quand même une histoire, ça. J'avais bien du lead quelque part, je suis pas fou. Silver, tin, copper, dark iron, ouais, le dark iron d'ailleurs. Hop. J'ai encore du groot, ok. Bah, le groot, on va le faire cuire. Silver, gold, ouais. Lead, lead, j'ai lead. Voilà, je savais bien que j'avais du lead. Non. Ça c'est du dark iron, ça c'est parce que je veux de toute façon. Ce que je voulais voir c'était le niveau de lave, mais bon, de toute façon ça colle. Ensuite, lead. Ouh, 12 lingots de lead. Je vais avoir de quoi faire. Bon. J'ai l'impression d'en avoir eu plus que ça, c'est bizarre. Je suis sûr d'en avoir eu plus que ça. Ou alors je m'en suis servi à autre chose et je m'en souviens plus. Bon. Et ben c'est pas grave. Enfin, ça c'est pas grave. Si quand même, mais bon. Hop. What? Ah d'accord, ok. Je me suis dit c'est quoi ce rollback, mais non. C'est juste toi qui pousse en même temps. Tiens, attends qu'on y est. Tiens. Tu vas en avoir besoin d'ici peu. À ce propos. Hop, on va le recouvrir. Est-ce qu'on a ça, tiens? Alors, ça s'écrit comme ça, normalement. Ça s'écrit comme ça ou comme ça? Non. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un crochet qui permet de détruire les feuilles plus vite. Non. Oh, c'est quoi ces épées? Clever. Ouais, pourquoi pas. Bon. Ah, d'accord. Ouais. Il va me falloir un accès quand même à la maintenance, même si... Ouais. Ah oui, puis il va me falloir de la tuyauterie aussi. J'y pensais pas, mais il va me falloir ça aussi. Enfin, on verra ça après. Pour le moment, tout ce que je veux, c'est déjà que ça harveste et que ça me mette là-dedans. Quant au sapling, éventuellement... Je ravitaillerai manuellement.
C'est pas un problème. Ok, oui, c'est mieux comme ça aussi. Ok. Donc ça, c'est bon. Un petit problème de rendu, mais tout se passe bien. Bon, jusqu'à présent, ça baigne. Jusqu'à présent, ça baigne. J'aimerais bien tenter quand même de voir ce que ça donne. Juste avec 1, qu'est-ce que ça donne si j'essaye d'en cuire? Ça bug. Ok. Ouais non, ça file que dalle en fait. Ouais bon. Faisant juste 8, on sera bien content avec ça. Bon. Proche. Oui, donc on a ensuite donc j'attends mon lead. C'était ça que j'étais parti attendre. Donc on a le lead. Je vais juste y remettre ça dedans. Et 2. Ok. Donc ça, les deux, on va quand même les prendre. Ça, je m'en fiche. Je veux. Alors, le lead. Le lead. Ça ressemble à ça. Très bien. Ça, il va me falloir de la glace. Il va me falloir de la redstone. Ici, ici. Et il va me falloir du verre. Est-ce que j'en ai ici? J'en ai. Ok. Combien je peux m'en faire? 3. 3 fois 6. Ouais. Bon, normalement avec 6 j'en aurais assez, mais je préfère en prendre en plus. Sachant que j'ai 12. Que j'ai 12 leads, ça m'ira largement. Ouais, c'est ça que je voulais. 6 de plus. Ok, donc là déjà. Si j'alimente. Donc c'est en train de monter en énergie. Et c'est parti. Et là. Génial. Oh c'est génial. C'est génial. Ok. Et ben on a notre première ferme à... On a notre ferme. Donc c'est plutôt pas mal. Ça il me faut on va juste le laisser à côté pour être sûr que quand on n'a plus d'énergie, ben voilà. Ouais bon en fait non, on va simplement le mettre par-dessus. Voilà, et puis quand on aura besoin de recharger, ben on laissera couler un petit peu de lave. Et puis c'est tout. Et puis ça fonctionne, hein. Donc on n'a plus qu'à gérer un petit peu l'énergie. Et on a du bois en illimité. Enfin, en illimité, on va pouvoir en faire, voilà. Il va y en avoir sans que... Voilà. C'est pas encore totalement automatisé, mais ça serait pas tardé, quoi. On va l'aider un peu, quand même.
on va l'aider. C'est génial, c'est génial, c'est génial ce truc. C'est complètement génial. On l'upgradera plus tard. Hein. Quoi qu'il en soit, hop, on va pouvoir se refaire du charbon avec ça. Non, pas ça. Ah, on peut faire... Genre... On peut faire de la terre compostée. Et si je la fais chauffer, qu'est-ce que ça donne? En fait, c'est un clic droit qu'il me faut. Si je la fais chauffer, j'ai quoi? De la dryad dirt. Ouais. Et la dryad dirt, ça peut servir à quoi? À rien. Mais ça peut être utilisé. Ouais, c'est décoratif. Ok, d'accord. Useless, quoi. Purement useless. Bon. Bah, j'ai utilisé toute ma poudre de creeper, mais bon. Enfin, toute ma poudre de... ouais, mais bon. Ça valait le coup. Ça en valait le coup. Allez, on va se quitter sur un petit fight, parce que moi je vais arrêter là. Et puis je sais que avant de commencer on était au cours de l'épisode 4, donc là on doit être à l'épisode 5 certainement. Vu que je fais des épisodes d'une heure, c'est largement suffisant, hein. Je vous montre un maximum de choses. En gros je lance mon record et puis je tourne avec vous. Quand je sais que je vais faire des trajets longs comme dans la mine ou des trucs comme ça, bah, je coupe, hein, bien évidemment. Je vais mourir de faim. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, bah, sur ce, bah, on va se quitter là-dessus. Et puis, bah, sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Ok, donc là je tourne très très rapidement, on se retrouve le lendemain pour moi, beaucoup de choses ont évolué, je tourne très rapidement car j'ai du boulot ce soir, donc je fais juste le petit point avec vous rapidement. Premièrement j'ai upgradé mes tanks en Ardened, donc pour cela pas très compliqué. Ardened de... Non, ouais si, je peux l'avoir ici. Voilà, les Ardened Portable Tank. Donc c'est simplement un portable tank avec 4 Invar. Donc j'ai fait masse d'Invar dans le furnace, hein. J'ai eu assez d'iron. D'ailleurs j'ai voilà, j'en ai qui est encore revenu. Bon, ici la cuillerie continue à tourner. J'alimente en lave. Donc résultat, ces tanks là font 16 sauts de lave. Donc j'en ai 4 au total.
un sur moi de vie, non. J'en ai 4 au total, il me semble. J'ai un peu torché le terrain également. Il est où mon... non, pas là. C'est là. Non, bah je sais pas où est passé mon quatrième. Il me semblait que j'en avais un quatrième. Bon, bah soit. Donc il y en a un là, Paris il fait 16. Je suis pas sûr moi. Ouais, c'est bizarre, il me semblait que j'en avais 4. Ici ça tombe très bien, j'ai juste mis un wax sapling pour pouvoir me faire davantage de barrels. Ça j'y reviendrai après. Donc voilà, donc je me suis fait des barrels de cobble, de sable. Ouais, de sable, de terre, de gravier et de craie, parce que je récupère pas mal dans l'océan. Donc voilà, donc ça tourne. Plus ou moins, tiens, j'ai de l'uranium. Voilà, voilà. Bon, donc ça c'est de l'autre côté. Et ici, donc vous voyez, ça marche très très bien. Hein. De temps en temps, bah, je fais couler la lave à l'intérieur de... D'ailleurs, on va en refaire couler un petit peu. Non, pas comme ça. C'est simplement un clic droit sans shift. Ok, voilà, ça s'est vidé dedans. Ça a rechargé et ça va recharger l'énergie. Enfin soit, c'est pas trop problème. Donc ici qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai tourné un petit peu sur Industrial Craft. Je me suis fait un recycleur et un générateur. Le générateur. D'ailleurs j'ai pas le marteau sur moi, tiens, il doit être resté dans le coffre aussi. Générateur. Ça ira plus vite à mon avis si je vais dans Industrial Craft. Industrial Craft et le générateur. Macérateur, extracteur, comparateur. Non, la générateur. Voilà. Donc simplement en faisant une RE batterie, donc avec du Timian Casting. Alors ça j'ai galéré pour trouver comment faire. Il faut comment faire des tin plates avec et les forger avec le marteau, et les tin plates se font eux-mêmes avec du tin, donc comme ceci. Donc voilà, donc ça a consommé un petit peu de tin, mais bon, je m'en suis sorti. Mon armure est presque morte, je me suis pris pas mal de dégâts. Mais pour faire le recycleur, il m'a fallu de la glowstone. Glowstone, pour cela je suis allé dans le Nether. Alors j'ai pas tourné. Tiens d'ailleurs, j'y pense. Hop. Dans le Nether, ça a été tellement hard que je suis retourné en peaceful pour aller juste me chercher un petit peu de glowstone. Et j'ai fermé le portail derrière avec un seau d'eau. Premier contact avec le Nether, hard, hein. Très 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 hard. Je me suis retrouvé face à des espèces de creepers rouges avec des têtes de psychopathes, enfin quelque chose de violent. Alors autre chose, donc je me suis fait une première fois le recycleur, mais je l'avais mal placé. Je l'avais placé ici en espérant que l'énergie de Thermal Expulsion soit compatible. Elle ne l'est pas, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé le recycleur et je me suis retrouvé avec un Basicking Machine. Donc j'ai rage quitté, puis je me suis décidé finalement, vu que je ne savais pas que ça allait faire comme ça, de me la giver simplement. Je l'avais faite, je l'ai cassé, donc eh ben, je me suis regivé. C'est une erreur, donc je sais pas avec quoi on peut retirer. Certainement avec j'ai vu du matériel, certainement avec ça, les électriques, ou je sais pas. Je sais pas si c'est ces trucs là. Je sais pas du tout avec quoi en fait on bouge les machines. C'est le problème. Il me semblait qu'avec un Crescent Hammer on puisse le faire. Donc c'est une wrench, hein, comme celle de Buildcraft. Ça marche pas. Donc c'est pas celle-là non plus. Bref, je ne sais absolument pas comment faire. Donc une forge hammer, pareil, j'en ai une. Donc en fer. On peut la faire qu'en fer, il me semble. Elle est où? Elle est là, voilà. Donc j'ai une forge hammer qui m'a servi à faire les plates. Voilà, j'ai encore un peu de leadstone. Enfin de leadstone énergie. Le charbon je produis pas mal. Envisager de commander d'éventuellement alimenter avec ça voilà, vous m'avez suivi.
Hop, on en remet. Voilà. Bon, ben voilà, donc ça c'est le tour. Donc oui, et donc là avec le recycleur, simplement, ça fait... Oups. Voilà, ça fait du scrap. Et avec le scrap, on va en faire un petit peu rapidement. Table de craft. Table de craft, et puis, hop, normalement ça fait des sandbox, des scrap box, et les scrap box, voilà. Hop, quand on utilise les scrap box, on récupère du matériel. On récupère beaucoup de choses. Hein. Allez, on va utiliser les 6, on va voir ce que ça donne. Ouais, voilà, plugins, un peu de bronze, du pain, ouais, ça peut être intéressant. Du gravier, et on a récupéré. Ah non, c'est quoi ça? Ah non, du scrap. Bah pourquoi je peux pas. Non, apparemment c'est une autre sorte de scrap, c'est pas du scrap comme les autres. Bon, bah pourquoi pas. Ça peut produire quoi? Des EU dans le générateur. Ouais, pourquoi pas. Bah le générateur de toute façon il est vide, donc ça tombe bien. Hop, voilà. Ouais, donc j'alimente le générateur également avec du charbon, hein, donc je vais en chercher un petit peu d'ailleurs. Voilà, et puis donc ça alimente le recycleur qui est alimenté par un barrel de cobble, hein, simplement vous avez vu la cobble, je m'en débarrasse ici. On va en mettre deux. Voilà, deux petits stacks. Et puis voilà, donc je gère les choses comme ça. Puis voilà, à la limite après je pourrais passer au sable et à la terre, hein, c'est pas un souci. Donc voilà. 37 stacks, ouais. J'ai bien diminué quand même parce que j'étais proche des 64 stacks limite. Donc non, ça produit pas mal, hein, le scrap. On va en refaire encore un petit peu. De la glowstone, ok. Bon, bah comme ça on pourra éventuellement produire de la glowstone. Là on peut automatiser tout ça avec une single use battery, c'est quoi ça? Ok, ça c'est avec du copper cable, du copper cable, ouais. Et ça peut être utilisé dans quoi? Je sais pas dans quoi ça peut être utilisé. Enfin bon, c'est peut-être du déchet, hein. je sais pas ce que c'est. Il y a des choses qui sont pas forcément utiles, donc ça reste à voir. Voilà. Un peu de bouffe. Ça tu vas me le jeter. Voilà. Puis je gère au niveau à tous ces niveaux là. Donc voilà, j'ai pas mis les saplings en dessous, c'est ça que je voulais faire. Sapling, rubber. Ok. Voilà, ça commence à donner. C'est balèze. On l'agrandira peut-être, hein, je sais pas. En attendant, dès que j'ai des os, je l'aide un petit peu. Là j'en ai plus. Non, j'en ai plus. Je sais qu'on peut faire du fertiliseur, mais alors faudrait que je me replonge dans les modes. Donc voilà, donc un petit peu d'industrial craft, trois fois rien. Prochaine étape, se lancer dans les tesseracts. Dans les tesseracts pour aller dans le nether, poser une pompe et dès qu'on et pouvoir puiser de la lave directement là-bas et le rapatrier ici simplement, hein, mettre un tesseract ici qui rapportera directement
tout ce qu'il faut. Le problème, c'est que pour un Tesseract, ah oui, j'ai aussi le Void Chest, mais Tesseract, donc il va me falloir du bronze, du silver. Le bronze, ça se fait avec la smelterie, hein. Non, ça c'est comment on s'en sert. Bronze. Smelting. D'accord, donc je peux déjà faire le bronze que j'ai. Sinon, c'est avec du copper et du tin. Du copper, j'en ai utilisé énormément. Je sais plus pourquoi. Je me suis servi pour quoi le copper? Je me suis servi pour quelque chose, mais je sais plus quoi. Merde. Je sais plus. Je me suis servi d'énormément de copper, mais je sais plus pour quelle occasion. Bon, du tin, on en a. De l'iron, on en a. De l'aluminium, ouais. Mais l'aluminium, c'est pas ce qu'on va avoir le plus besoin. Bon, enfin bref. Donc, on a besoin de ces trucs-là. Donc, de silver. On doit en avoir un petit peu. Du bronze. Attends, du bronze ou du quoi qu'il a dit? Tinker Soloy. J'ai vu un Tinker Soloy quelque chose, mais bon. Ensuite, un Tesseract Frame. Donc là, il va nous falloir un Fluid Transposer. Va falloir que je regarde comment on le fait. Sinon, de l'Underium, un diamant et de l'art de la glace. On peut pas faire avec de la glace normale, non. Et pour cela, il va nous falloir de l'obsidiane. Bref, on n'a pas fini quoi. L'obsidienne et du lead. L'obsidienne comme ça, il nous faut un rock crusher ou un... Bah non, un rock crusher en fait. Donc ok. Donc on aura besoin d'un rock crusher. On va avoir besoin de plein de choses. Mais c'est le prochain objectif de toute façon. Et l'Underium, on l'a comment? Induction smelter, de l'art d'un blend. Donc ça on l'a avec les yeux d'Underman. Et du quoi? C'est quoi ce truc? D'accord, ok. Ok, ok, bon. Est-ce qu'on peut avoir ça avec du scrap? D'accord, de la cold dust. Donc ça, cholet marron pour en avoir. J'ai vu qu'il nous fallait un pulvériseur. Ok, il va nous falloir beaucoup de choses. On va peut-être commencer par ça, par le pulvériseur. On va commencer dans l'arbre, dans l'arbre normal. Donc la première machine dont on aura besoin, c'est le Fluid Transposer. Donc le Fluid Transposer. C'est du Thermal Expansion, ça. C'est du Thermal Expansion. Ah bah c'est parfait. Un bucket, on a ce qu'il faut. De la glace vanilla, une machine frame, une redstone redshift coil et un copper et deux copper ingots. Le copper ingot, faut que je vérifie. Mais la machine frame, du steel ou du... Oui, ou voilà, de l'iron. Donc ça c'est faisable. De la... Quelle heure il est? Je vous ai dit j'ai du boulot ce soir, mais allez, on va en faire un petit peu quand même. Quoi, j'ai plus que ça en iron? Tu charries? L'iron... Ah oui, l'iron, je m'en suis servi énormément pour l'industrial craft. Donc je dois plus en avoir des masses d'iron. Aluminium. Une verre. Tin. Silver. Bon, en tout cas, j'ai du copper ici. Ouais, puis j'ai un bloc, j'ai un lingot ici. Mais... Hop. Non, alors ça, ce sera quand j'aurai une deuxième Ender Pearl.